Le CES, le grand salon international de l'électronique grand public, s'est ouvert aujourd'hui à Las Vegas, aux États-Unis. Le CES, c'est une vitrine très importante pour les startups du monde entier. C'est pourquoi la région Auvergne-Rhône-Alpes y envoie chaque année des entreprises locales. Cette année, une quarantaine sont sur place pour présenter leurs produits. Pascal Franco et Bruno Lebré ont rencontré les lauréats des années précédentes pour savoir ce que ça leur avait apporté. Dans les bureaux de Yes It Is trônent fièrement deux CES Awards remportés à Las Vegas en 2017 et 2018. Ils récompensent le travail de cette entreprise clermontoise qui connecte des objets avec des puces électroniques. Ce couteau de tiers ou ce disque vinyle sont des objets physiques connectés au monde digital via un smartphone. On parle de digital, c'est-à-dire grâce à un support physique. Et parce que je détiens ce support physique, je peux rentrer en relation au travers des technologies digitales avec un fabricant, avec un artiste, avec un industriel. Et ça marche dans les deux sens? Et ça marche effectivement dans les deux sens, puisque je peux pousser des services, approuver ou prouver l'authenticité d'un objet, ou demain faire des promotions par exemple, ou faire du commerce particulier en relation directe. Pendant 4 jours, le salon réunit plus de 3500 exposants et 170 000 professionnels du monde entier. Un CES, cela se prépare. Les entreprises d'Auvergne-Rhône-Alpes bénéficient notamment de l'aide de la région pour affronter ce qui s'apparente à une épreuve d'endurance. On y va avec une équipe, on y va avec son pitch, ses plaquettes de commercial, son discours, on y va. On est préparé à faire une interview en anglais, on est préparé à tout ça. Il faut vraiment être prêt et l'accompagnement régional est assez performant dans ce domaine.